Est-ce que l'on attend actuellement sur la Pologne? Ouais, Valrian. Je sais pas, il doit y avoir sûrement une raison pour ne pas que la partie se lance. Nous ne pouvons que attendre. Ça bouge pas mal sur le même bal. Ouais, c'est toujours sur Valrian qu'on attend. On peut même pas voir sur toutes les guerres qu'il y a actuellement. On peut juste voir le Saint-Empire. Non, cette map-là, elle est nulle. Ah, quelqu'un d'autre. Ah, ok, on voyait, on attendait sûrement quelqu'un d'autre. Ok, pas de soucis. Voyons voir les autres joueurs. Alors, il y a Castille qui possède tous les Caraïbes, quasiment. Ok, elle a une colonie indépendante. Ça, c'est qui? Ah oui, le Maroc. Le fameux Maroc qui a réussi à aller jusque dans les Caraïbes. L'Espagne qui a mangé tout ça, donc elle a enfin pu avoir sa colonie indépendante. Le Portugal qui a une implantation basique au Brésil, Nijato. Nijato qui a été bouffé par... Ah oui, c'est le joueur, pardon. Nijato qui a bouffé le petit pays qui se trouvait ici. Si je clique là-dessus, non, c'est bon, je suis observateur, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un là en bas? Oui, il y a Nijato, ok. Quelle question. Y a-t-il quelqu'un? Oui, Nijato. Et ça c'est quoi? C'est Castille? Ouais, Castille qui ne va pas par... Il va pas par 50 solutions. Elle y va directement à coup de conquête. Ouais, elle n'a aucun vassal en bas. Je peux même pas cliquer là-dessus, ouais. Pour la carte des religions, ouais. Mais ça nous montre au moins une seule chose. Il a laissé la Lituanie. Ça nous montre au moins une seule chose, c'est que le protestantisme ne s'est toujours pas implanté. J'espère que ils vont bientôt s'implanter. Ça pourrait être marrant. Une petite guerre de religion au sein de l'Empire, au sein du Saint-Empire. Quoique, certaines personnes auraient très vite gagné la guerre. Donc la Hanse qui s'est fait attaquer là apparemment, c'est quoi? Ça s'est occupé par la Bourgogne. Elle est en guerre contre qui? Non, il y a une petite guerre qui s'est déroulée avec les pays là, avec les pays du haut. Donc, Brandenbourg voulait sûrement rattacher ces petits pays en attaquant, je pense qu'ils ont dû attaquer la Hanse, forcément pour pouvoir reprendre les provinces là qui le séparaient de ces deux petites provinces, Leipzig et Thuringen. C'est bon, là, la game se lance. C'est-à-dire que tout le monde est prêt. Ok, tout est bon. Ok, je me casse. Pop off, désolé. Poor payment. Ne m'obligez pas à cliquer, s'il vous plaît. Mais content d'avoir fait gagner un de stabilité, pop off. Est-ce que c'est bon? Il y a eu un souci technique, donc on ré-réhoste. Ok, pas de soucis. Donc, petit souci technique, ça arrive, hein.
Return to menu. Quit. Tant que je ne crache pas ça. Tant que je ne fais pas laguer la game, ça va. Je peux même pas voir le nom des viewers, etc. sur le stream. Ce qui est plutôt embêtant me dit que le service Dailymotion n'est pas disponible. Désolé. Donc ils ont dit qu'ils réhostaient. Sûrement avec le tag Mundus. Ah, les GPO, faut vraiment être motivé pour les faire, n'empêche, quand on y pense. Est-ce que je peux chercher par Mundus et par Mundus? Scan Internet. Je pense qu'ils ont dû mettre un tag. On va faire back, multiplayer, scan Internet. Ah, les bons vieux Allemands qui hébergent les parties, Varetta. Il y a pas mal de serveurs quand on y pense. Scan. C'est en Farriost. Ok, je vais checker ça. Mundus, c'est bon. Connecting. Yay! Observe mode. C'est reparti pour une session de chargement. Ready. I am ready. Mais personne n'a chargé? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de charger? Ok, ce serait cool. Je crois qu'il manque deux joueurs, je crois qu'on était 28. Pop-off. Ah, si, on est obligé de recharger. Ça, t'es trop beau. Bon, c'est la vie. Si la vie. Ouvre une nouvelle fenêtre. Ah, mais je n'ai pas de musique pour une raison. Je l'ai coupée. Vraiment désolé. Je crois que c'est volume. Yep. Moi, pour moi, le son est vachement fort. Je ne sais pas pour vous, on verra bien. Oh là là. Je ne peux vraiment pas accéder au nombre de viewers. Je trouve ça vraiment horrible. Je ne peux rien voir en fait, à part le chat.
À part les chats. Oh, ça a l'air de charger plutôt vite. Sauf certaines personnes avec des connexions plutôt lentes. Non, je rigole, c'est pas grave. Bon. Je me déplace jamais avec les touches, avec les flèches directionnelles. Je vois face à la souris, je sais pas. Oh no, on a perdu le joueur Monkiki tout puissant. Ah. Intéressant. Sur qui est-ce qu'on est en train d'attendre? Ok, encore 3-4 personnes. Ah, on est quand même 29, il me semble qu'on était 28. Ah, mon Kiki tout puissant est de retour. Putain.
Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de parler. Puis c'est un cyborg dinosaure, mais les Mickey mutants. Est-ce qu'il parlera pas du tout dernier Jurassic World? Allez mon kiki! Allez, 100% ma gueule. On va éviter de cliquer, ce serait dommage que le jeu crache. Ok, ouais, comme d'habitude, pas mal de guerres sont en route. Moi je me casse, je vais aller dans un autre pays. À la prochaine, Popof, hein. Moi je vais aller chez Restif, donc je peux cliquer là-dessus. Donc je peux cliquer là-dessus. D'où est-ce que tu as 50? 10 prestige, 90 du cas, on va dire 90 du cas, hein. Désolé, bon. J'ai cliqué, j'étais déjà sur Restif, hein, donc ce n'est pas ma faute. Si la paire s'est topée, ce n'est pas de ma faute. Attendez, désolé, j'ajuste juste le micro. Donc j'ai vu. Alors qui est-ce qui est en guerre? Ah, approximativement les trois quarts des personnes. Alors il y a l'Angleterre qui est en guerre. Ah oui, c'était cette grosse guerre des pays du nord de l'Europe, opposant principalement la Hanse, la Suède, la Bourgogne, Brandebourg, la Suède, l'Angleterre et la Bourgogne contre cette pauvre Hanse. Serait-ce Borgol Coalition. Oh, ils ont monté une coalition. Coalition dirigée apparemment par Brandenburg. Oh. Je pense pas que la Hanse peut faire quoi que ce soit. Ah oui, la Hanse qui est impliquée dans trois guerres. Ce qui est impliqué dans trois guerres contre ces petits pays-là, mais ces petits pays-là sont même pas des joueurs. Ah, elle aura peut-être déclaré la guerre au silence. Ouais, c'est la Hanse qui a dû leur déclarer la guerre. Ouais, c'est la Hanse. Est-ce que la Hanse a beaucoup entre guillemets de a beaucoup de ah ouais. L'expansion agressive. J'ai dû louper 25 épisodes là. D'où provient toute cette expansion agressive? Oh là là. Ah, ça a mis à mal l'économie de la Hanse. Serait-ce la plus grosse des guerres? Il y a Venise. Venise, tu te bats contre qui, toi? Venise contre les Ottomans. Ah oui. Oh, ça c'est une grosse bataille en perspective. Mais c'est un petit peu tout le temps les mêmes guerres, non? La Pologne, la Lituanie, la Hongrie contre les Ottomans.
Muscovy qui s'est tout simplement rajouté. Muscovy qui est venu défendre. Muscovy qui est venu défendre tout simplement la horde. Valerian is lagging. Est-ce qu'il y a le Balouchistan? Le Balouchistan qui fait la guerre, ça c'est bien. Ça c'est bien le Balouchistan. Ah, Balouchistan qui commence à avoir pas mal d'expansion agressive, un petit peu auprès des joueurs. Kirsia, il faudra peut-être faire une expédition punitive pour punir Balouchistan, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'il y a l'armée puissante, la plus puissante entre les deux? 14 pour le Balouchistan et combien pour Jaunpour? Jaunpour qui possède 30 hommes plus les hommes que ses vassaux peuvent lui offrir. Orisa est devenue vachement grande pour une nation qui n'est pas contrôlée contre un joueur. Parce que Jaunpour est en train d'attaquer Orisa, donc je pense pas que c'est une nation contrôlée auparavant par un joueur, mais bon. Tangu, attendez, attendez, attendez. Turgon, qui se fait plaisir dans son coin, qui prend des provinces, etc. Est-il en guerre? Ah, il est en guerre. Ah, est-ce qu'il se serait allié à Jaunpour? Oups, non, 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 on va sur Tongu. Oh. Alors, il a comme allié Dai Viet, Khmer, Dali et Jaunpour. Oui, en effet, donc il est allié avec Jaunpour. Ouais, il a vraiment une petite économie. Bon, il ne peut pas y faire grand-chose non plus. C'est pas non plus la nation la plus puissante. Ming qui n'a pas implosé. Voyons voir Ming. Ming, Ming, Ming. Ming, ouais, qui ont dû donner de l'autonomie à tout le monde. Ming qui touche combien par mois? 6, c'est pas mal. Mais qui a zéro homme. Vraiment Ming. Ce qui est devenu le pays le plus facile maintenant à attaquer. Nanjing qui a quand même 15 de base tax. Ouais, c'est ridicule comme l'autonomie que maintenant Ming a. Légitimité 0, prestige 0. Tanggu, si tu écoutes ce stream, tu ne devrais pas, mais attaque Ming. Je sais pas comment, mais attaque Ming. C'est quoi ces alliés à Tanggu? Eux, ok. Allons nouveau dans. Du côté de Castille. Bon, il y a une très grosse guerre qui se déroule ici, qui est en train d'être gagnée par qui? Par les Mamelouks, ok. Ok. Allons juste voir du côté de Castille, vite fait. Ah, Castille qui s'est enfin décidé à attaquer Aragon. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont plus. Je ne sais plus quand est-ce que l'event expire, là où ils peuvent avoir leur union personnelle avec Aragon. Peut-être de ce fait-là, bah ils sont dit, vas-y, on peut attaquer. Je pense. Wargaul, Conquest. Ah, Conquest de pas mal de choses, hein, vu que tu as beaucoup de revendications. Ça m'étonnerait pas que le joueur se fasse plaisir durant cette guerre-là. Sabre d'Aesu, je pense qu'il va se faire plaisir sur ce coup-là. Et c'est quoi les leaders? Ah, ils ont pas de leader? Apparemment pas. C'est quoi la plus grosse guerre? Je pense que c'est la guerre avec les Ottomans. Les Mamelouks, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, ok, les Ottomans qui sont uniquement contre les Mamelouks maintenant? Non, 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 ils sont toujours contre la Pologne, etc. Mais les Mamelouks, c'est toujours. Reconquest. Take Kor, Tarabulus. C'est pas depuis avant qu'ils sont en guerre en faisant ça? Ah donc c'est les Ottomans qui veulent vraiment acquérir ceci. Reconquest, je pense pour la Syrie, pour fi de leurs vassaux. Je pense que c'est la principale des raisons. La raison principale, pardon. Oui, je pense. Les Mamelouks qui ont maintenant des problèmes.
Patriote de Siri Mamelouk. Ok. Ouais, donc ils ont vraiment pas mal de problèmes là, les Mamelouks, qui sont au fond. Mais il y a quand même l'Autriche avec eux. Donc non, c'est une nouvelle guerre. Il y a la Pologne, il y a Venise. Et comment s'est déroulée la guerre? Face à la Hanse. J'ai loupé ceci. 1500. Non, je l'ai loupé. Ah, Brandenburg déjà a récupéré tous ses corps. Ah, le vassal, l'ancien vassal de la Hanse n'existe plus. Ok, c'est déjà ça. Donc la Hanse qui a été pas mal coupée. Est-ce que la coalition existe toujours? Non. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant d'expansion agressive? Waouh. Je pense que c'est mort pour lui, pour avoir des alliés. Purée, toute l'Europe le déteste, sauf la France. Moi qui ai une opinion négative. Je pense que ouais, c'est vraiment la plus grosse guerre qui se déroule. Mais j'ai envie de voir ici, est-ce qu'il y a, ouais, il y a deux ou trois guerres qui se déroulent. Il y a celle face aux Ottomans, qui implique la Syrie. Ah non, non, c'est toujours celle avec les Mamelouks. Voilà, c'est toujours celle avec les Mamelouks. Il y a encore la guerre de coalition. Bon, qu'est-ce qu'il y a une coalition contre qui? Guerre de coalition. Ok. Est-ce que ce ne serait pas une coalition montée de toutes pièces? Montée de toutes pièces contre qui? Contre Venise. Non, ok. Ok, Venise qui s'est mis à dos pas mal de personnes aussi. Restif qui est très neutre en fait dans tout ceci. Mais du coup, Brandebourg est devenu, je dirais, en termes de Saint-Empire, je dirais. Non, ils sont toujours troisièmes en termes de puissance. Combien est-ce qu'ils ont d'hommes? 18. Je pense que la Hanse est quand même clairement au-dessus du fait de son. Du pouvoir qu'elle possède dans son nœud commercial. Ouais, je pense qu'elle est clairement au-dessus. Ouais, elle peut posséder 42 000 hommes. Je pense que l'Autriche n'a pas trop de soucis à se faire. Tout le monde vote pour l'Autriche, de toute façon. C'est pour ça que l'Autriche, restif de son côté, peut rester plus ou moins neutre. En termes de force, de limites. La Hanse possède autant de limites que l'Autriche. Ce qui, en soi, peut poser quelques problèmes. Quelles sont les idées de l'Autriche? Quantité. Ah bon? Moi, d'habitude, je pars toujours sur les idées offensives, qui sont plutôt pas mal, qui donnent force marche, qui donnent la marche forcée. Ouais, mais ça fait qu'il a beaucoup de manpower, qu'il peut vraiment se faire plaisir, entre guillemets, en envoyant autant d'hommes qui le souhaitent. Voyons voir les technologies. C'est la Suède qui est première, en termes général, mais après en termes de militaire. Voilà, ça tourne autour de 8-9. Et la France qui est clairement. Non, elle n'est pas derrière. 7-7-9. Les fameux rebelles de la Pologne qui resteront jusqu'à la fin du jeu. J'ai vraiment envie de comprendre ces rebelles. Patriotes polonais, ok. Moscovie, voyons voir Moscovie. J'essaie de switcher le plus vite possible, hein, pour pas qu'il y ait de streamag, bien sûr. Mais Moscovie qui perd de l'argent et pas qu'un peu. Ah ouais, mais le renforcement des troupes coûte tellement cher. Pauvre Russie. La Russie qui ne peut pas encore se permettre, comme à la fin du jeu, d'avoir de la régène absolument ridicule d'hommes et de les envoyer au front comme si de rien n'était. Mais elle possède pas mal de vassaux qui peuvent faire la différence.
Elle possède quoi une vaste 4, non? 4. Ce qui fait qu'elle contrôle approximativement tout le nord, non? On va regarder ça. Oui, voilà. Minyar. Minyar qui possède absolument tout le nord. Finlande, Kazan compris. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il annexe pas Kazan? Faudrait lui poser la question. Je lui poserai. Petit seulement. Ah, ça lui coûterait 582 de points diplomatiques. Je comprends, je comprends. Mais pourquoi est-ce que ça lui coûterait aussi cher? Bon. On va jouer les Kazans. Combien? Ils ont 62 de taxes. Ce qui est pas mal en soi. Mais est-ce qu'ils sont en train surtout... Non, ils n'ont pas de colonie, donc ça devrait pas tarder. Mais je crois que le Kazan, ils ont. Kazan, ils ont des mines d'or. Je ne sais plus si c'est eux. Ah oui, voilà, j'avais raison. Donc ici. À Bashgird. Bashgird, ok. Donc. Le fameux russe ne les a pas pris. Bon. On va aller sur Valrian. Voir un petit peu. Tout ceci. Ouais, il y a toujours les trois guerres, les Ottomans qui sont en l'eau, les Mamelouks qui sont en l'eau, mais les Ottomans savent qu'ils peuvent mettre au fond les Mamelouks. Et ils savent aussi. Ah, mais d'un côté. Ah non, non, attendez, attendez, attendez. C'est impossible. Non, non, les Ottomans bloquent forcément. Les Ottomans ne bloquent pas Constantinople. Donc ça fait que les gens, les Européens peuvent traverser. Où sont tous ces bateaux? Tous ces bateaux sont là. Tous les fameux bateaux de Kellermann sont là. Laissez-moi cliquer dessus. Voilà. Ils sont en parfaite forme, tous ces bateaux. C'est quoi le but? Ah, il a pris une technologie. Il est 9 en militaire. Non, il a dû prendre la technologie administrative parce qu'il a 0... il a limite 0 points. A-t-il débarqué des hommes? Je ne sais pas. En tout cas, il a 12 transports. Que veut-il faire? Veut-il reprendre le contrôle d'une partie de son pays? Il va jouer dans les plaines. Non, quoique la plaine, ce n'est pas du tout un endroit recommandé pour prendre une bataille. L'Autriche qui a un leader plutôt moyen de 1-1-1-1-1. La Hongrie qui a un bon leader, 4-3-1. Mais l'Autriche qui a surtout beaucoup d'hommes. Ah, ils s'acharnent tous sur l'Ottoman. Combien de temps le Mamelouk va les Mamelouks vont pouvoir tenir? Combien de temps? Combien de temps ils vont pouvoir tenir? Parce que là, ça va quand ils vont commencer à être mal. Les premières révoltes ont éclaté. Et c'est la signature de la paix. Les Mamelouks ont dû céder toutes ces provinces. Attendez, ils en avaient trois. Attendez. Ah, et les Ottomans qui sont en train d'intégrer la Syrie. Il lui manque une seule province, mais je pense qu'il s'en fout parce qu'il y a déjà des rebelles. Patriotes de Syrie. Et pour le moment, les Mamelouks ne peuvent pas combattre ces fameux rebelles. Ils n'en ont pas qu'un seul. Faction rebelle, il y en a deux qui se préparent à se révolter. Il y a quoi d'autre? Le Sénégal est catholique. Sans déconner. Allons voir ça. On parle bien d'ici, hein, d'accord. Ouais, ici sont tous animistes, sauf ici. Tout le monde est catho. Ok. State religion.
enfin, Sunni State Religion Catholic. Ok, donc finalement, ils sont en train de convertir. Ok. Purée. Auront non, une Afrique catholique, telle la question. Mais quand est-ce que nous aurons enfin les ligues pour exploiter le nouvel add-on du nouveau DLC, de la nouvelle mise à jour, telle est la question. Est-ce qu'il existe encore des grosses guerres? Ah, ils sont toujours en guerre contre Aragon. Est-ce qu'ils ont des bateaux de transport? Bien sûr, 12 cogs sûrement pour aider les colonies. Ah, ils sauvent être là, je pense. Voilà, les 10 cogs. Déjà, il y a 10 cogs ici. Ok. Pause by pop-off. C'est intolérable. Okay. Pourquoi fait-il cette pause? Again, speed of... Valrian is lagging behind. Quel crime. Hansa, la Hanse. La Hanse, pas en français. La Hanse et la Suède et un petit peu l'Angleterre qui sont un petit peu les leaders en termes de technologie. Sabre Daihatsu qui est en train d'améliorer les relations avec la France. Est-ce que ça se fait dans le sens inverse? Non. La France qui est en guerre contre la Bourgogne et je pense. Il y a peu de chance, ouais, non, il y a peu de chance que la France gagne. C'est une guerre, pourquoi ça? Técor, Avignon, ok. Valrian is lagging behind. Avignon. Ok, Técor, ouais, c'est purement le corps, la guerre, avec le casus belli que leur offre la Provence. Est-ce que la France va se battre? Je pense pas qu'ils vont se battre. C'est. Ah. Que va-t-il faire? Ah non. Retraite, retraite, retraite. Maintenant qu'ils ont le casus belli, je pense qu'ils vont avoir le ticking war score, qu'ils vont gagner régulièrement. On va voir ça du côté de la Bourgogne. Ah, il n'y a pas de ticking war score, ok, pour le moment. Ok. Il me semblait qu'ils allaient en avoir un, vu que apparemment ils ont juste perdu une bataille. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont Avignon, donc théoriquement ils devraient gagner. Voilà, 0,40, pardon. Il fallait attendre la fin du mois pour que ça se rafraîchisse. Les Ottomans qui sont enfin en paix, il faut vraiment qu'ils récupèrent un petit peu de leur dernière bataille. Des rebelles qui se sont rebellés. Dans combien de temps l'annexion sera finie? En 1516, ouais, ça va prendre pas mal de temps. Mais c'est des points, juste des points diplomatiques pour 3, 6, 8 provinces. Ce qui est plutôt rentable. 3 de stabilité. Ce qui devrait mater pas mal de révoltes. Voilà, ouais, c'est extrêmement bas. C'est quoi ça? C'est nationaliste? Finalement, il a plus de fatigue de guerre, il a plus rien, il se fait nouveau un petit peu d'argent. Puis Castille-Hongrie, c'est bien parti pour. Union personnelle avec Castille-Hongrie. Pourquoi? Argan. L'Autriche a pris le lead. Quoi? Ah! Restif qui a enfin pris sous son aile la Bavière. La fameuse Bavière, je pense. Oui, voilà, la Bavière qui devient un de ses deux vassaux. Avec la Suisse. Et donc maintenant, il forme la Suisse et la Bavière. Ouais. Ah, Restif aussi qui a pas mal d'expansion agressive. Bon, je pense que lui peut plus ou moins tenir tête un petit peu aux autres messieurs.
Il a toujours une obsession très 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 positive avec la Bourgogne, et la Bourgogne reste de 1 en positif, c'est déjà pas mal. Castille. Castille qui en garde contre qui? Ah oui, toujours eux. Mais y a qui en tout? Y a Genoa, The People's State. Quality Exploration, ouais, logique. Qu'est-ce qui est en guerre? Venise. Venise, vous êtes en guerre contre qui encore? Ah, toujours avec la Lituanie et la Pologne contre Moscovie, Golden Horn et tous ces vassaux, etc., etc. Ouh! Ouh, c'est vraiment pas bon là ce qui se déroule en Lituanie. Nationaliste. Nationaliste polotskien. C'est quoi ça, polotskien? Pour la création de Polotsk, ok. Est-ce que ce serait la Moscovie qui soutiendrait ces mecs? Non, même pas. Ils ne soutiennent aucun nationaliste. Ouais, ok. Donc, la Lituanie est juste très mal de base. Ah ouais, la Lituanie. Est-ce que c'est pas volontaire? Ça ne peut pas être volontaire, non? Il n'y a pas d'event qui fait. Parce que Diderlord a moindre de stabilité, prestige plutôt mal, légitimité plutôt mal. Est-ce qu'il veut faire pop un event spécifique? Je sais pas. Il perd moins 20 par mois. Bon, les fameux rebelles ancestraux de la Pologne, bon, ça me fera toujours bien rire. Cornet, oui, Cornet qui est un. Hollandais? Je ne sais plus, on me l'avait dit. Cornet qui joue à France, je crois. Oui, Cornet. Get a revolt on my army, I lose the battle and my army retreat to Burgundian border. Ah, je suis tellement désolé pour toi. Je suis tellement désolé pour toi. Notre ami qui est anglais. Damn. C'est vrai que la Bourgogne, à mon avis, ne va pas le lâcher d'une semelle. Mais qu'est-ce qu'ils veulent actuellement, la Bourgogne? La Bourgogne, est-ce qu'ils prennent des revendications, des trucs spécifiques? Ça serait bizarre, mais est-ce qu'ils peuvent prendre les deux provinces que la Provence possède encore? Très bonne question. Il y a quoi vraiment comme grosse guerre, à part celle-là qui dure depuis près de 100 ans? Waouh, Diderlord. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment volontaire? Je pense pas. Est-ce que le fait d'être en banqueroute, parce que là il est presque en. Enfin, il est pas presque en banqueroute, mais bon, il est vraiment pas bien. Je ne sais pas, faudra que j'aille lui demander après. Je ne sais pas si Benoît est toujours sur le stream. Je peux toujours pas checker, moi, pour ma part. Ah si, je peux checker. Laissez-moi checker quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on peut pas checker par nom? Allons voir quelque part. Non, on clique surtout pas sur la Perse. Balouchistan qui est encore en guerre. Ouf, Balouchistan qui commence à se faire des ennemis, je pense. Non, même pas, même pas, même pas. Toujours en guerre contre Punjab. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Punjab? Oh, ils ont des très gros. Enfin, des provinces avec un très gros. Très grosse base tax. Est-ce qu'il y a des revendications sur ce terrain? Il y a des revendications sur Doaba. Des revendications sur Doaba. Il y a Ladakh qui est venu les aider.
Baloutchistan qui est en guerre contre les Timourides? Ah, j'aime pas regarder, j'aime pas regarder. Ok. Tribal Conquest. Ah, la Perse qui est en train de se faire plaisir, donc. Je ne cliquerai juste comme ça sur la Perse. Bah, la Perse qui a des tas de... De Reconquest, je sais pas comment on appelle ça. Les des tas de corps qu'elle peut s'emparer de façon totalement gratuite. Je pense juste qu'elle souffre d'un tout petit peu de... De... Comment est-ce qu'on appelle ça? D'aggressive expansion, voilà. Elle souffre juste d'un tout petit peu d'expansion agressive, mais ce n'est... À mon avis, vu la force que représente la Perse, ce n'est pas vraiment le plus gros des défis. Quelle est l'opinion de la Perse sur les Ottomans? Les Ottomans sur la Perse? Ok, tout le monde se déteste, c'est... Tout le monde est heureux. L'annexion de la Syrie. Et en 16, voilà, en 1516, on peut regarder les religions. C'est quoi, c'est réformé ça, non? Ah ok, je pense que c'est occupé par des rebelles, c'est un truc bizarre, ok. Je veux une grosse guerre. Est-ce que Benoît est toujours là? Non, je pense pas. Ah si, dans le salon Charlemagne. Ok. Titan Lord, purée. Non. Golden Horde, la France. La France qui est en guerre contre la Bourgogne. Hongrie contre la Golden Horde. Golden Horde pour toi aussi. Ah, quoique, il y a des nouvelles batailles. Ok, donc ils essayent un petit peu tous là de manger un petit peu les provinces autour d'eux. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Quelles sont les relations entre ces pays-là? Plutôt positives, hein, à vrai dire. Tout le monde essaie un tout petit peu d'améliorer les relations avec tout le monde. Bon, la Hanse. La Hanse, je pense qu'on a compris. Ouais, voilà, hein. Personne ne l'aime, à vrai dire. Et je pense que personne ne l'aimera plus jamais. J'ai envie de cliquer sur la Perse. La Perse se guerre comme contre les Timourides, mais... Je vais cliquer sur les Timourides, je pense que ça vaut mieux. Ah voilà, les Timourides qui sont donc en guerre contre le Balouchistan. Et qui sont totalement en train de perdre la chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils perdent? Oui voilà, c'est le show superiority. Voilà, ils ont perdu toute leur bataille, donc ça fait que c'est le Balouchistan qui a sûrement eu le Ticking War Score, etc. Et de ce fait-là, ben voilà quoi. À quoi qu'ils ont, ils ont quand même encore quelques troupes. 19 000 troupes, bon, ils sont tous là en fait. Désolé pour vous, Timourides. Est-ce que l'Ouzbék, ils ont des revendications? Est-ce que eux, ils ont des revendications? Quelle heure est-il déjà? 23h33. Vijayanagar.
Cassard 264 is no longer in sync. Oh mon dieu. Malaka, regardons par ici. En tout cas, j'ai la preuve que ce n'est pas moi. Ah, c'est le Québécois qui joue Malaka. Il a envie de se sentir un petit peu seul là en bas, non? Ah, apparemment ça part, ça quitte. Est-ce que ça quitte? On devrait pas tarder à me le dire. Il doit se sentir un petit peu seul, le joueur. Ah oui! Il doit se sentir extrême. Pardon, on fait un dernier reste pour qu'ils aient. Ok, pas de soucis. C'est la routine, petit rehost, dans le plus grand des calmes. Oh, qu'il a, qu'il fasse pas chier. Bon. Moins douce. Moins douce. Joint. Connecting. Bim. J'ai vu Restif. Ah, c'est le fameux chat que tout le monde parlait. Au revoir. On va faire un petit tour dans le chat de base. Attendez que je trouve. Truc. Attention à vos oreilles. Oh, je vais essayer de baisser le son. Il y a du monde dans la partie. Oui, quasiment tout le monde. Ça marche pas quand je vois sur les gens, ça m'énerve. Parce que t'es trop mauvais. Peut-être que le prochain patch apportera un peu plus d'habilité au multi. Ouais, c'est ça. Attends, c'est pas 2 ans qu'on attend ça, quoi. Ah, si. Bah, ouais, mais attends, il y a quelques semaines, le multi marchait beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. Donc, c'est qu'il y a un patch qui a rajouté des trucs. Et est-ce que tu en as les supprimer pour que ça il y a 2 semaines, la once donnait des ducats pour pas se faire excommunier. Ah bon? J'ai pas le souvenir, quoi. T'en souviens plus? Non. Est-ce que tu en es sûr? Rien du tout, quoi. Les religions de merde, là, comme ça, merci. De toute façon, c'est quoi? On est en combien, là? La réforme, ça m'arrive dans quoi? 10 ans? Ouais. Moins. Moi, même, je pense.
Je sais pas, je sais rien. Bon. Je crois qu'on est. J'ai pas fait gaffe. Après, non. Je crois que je peux excommunier le polonais aussi, mais bon, le polonais. Je me demande si ça peut pas avoir le coup de venir réformer la Castille. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Je sais plus si c'est Dider que je peux excommunier ou le polonais. Pauvre Dider. Les gens qui sont envahis. Non, mais je suis pas un bâtard non plus. J'ai excommunié, c'est des gens. J'ai des gens avec qui je m'entends pas très bien. On parle de blob pendant qu'on parlait de la Moscovie, quoi. Réformer, ça apporte quoi exactement? Plein de choses. Plein de choses. L'amour. Non, c'est totalement subjectif. Pour moi, c'est la meilleure religion. Mais c'est celui qui. Bah, c'est pas mal. Protestant, c'est bien. Je pense vraiment que ça fait partie des meilleures religions. Tu choisis ton bonus en fonction de ta situation. Aucune autre religion te le permet aussi bien. Exactement. T'es en guerre, tu mets le bonus guerre. T'es en paix, tu mets le bonus thune ou stade. Tu vois, c'est. Ah, ils en parlent un peu, un jour il faudrait que les gens regardent à l'est ce qui se passe au niveau de la Moscovie, là, parce que. Ouais, j'avoue que tout est dans Moscovie, là. Elle est partie pour faire une espèce de Russie, genre. Des familles, hein, mais alors des familles. Pardon? Bah, je disais que la Moscovie, elle est partie pour faire une espèce de Russie des familles, quoi. C'est-à-dire? Énorme, quoi. Comment ça? Comme ma vie. Bah, ouais, il y a, comment ça? Elle est petite, je l'ai pas vue. Ouais, mais elle l'a pas vu parce qu'il y a première de guerre, mais pour rien de nazi ce qu'elle a déjà. Je sais pas plus que la saison dernière, j'ai causé une province. Hein. Non. Allez. Bon, et ton super vassal là que t'as fait grossir avec 10 milliards de provinces, on en parle pas ou. Ouais, mais il va mettre du temps pour l'annexer. Oui, enfin, puis, il a son vassal hors de nord aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais je le compte pas. Ah bah dis donc. Bah non, il peut pas l'annexer. Non mais on m'attaque et je devrais me laisser faire, c'est ça le principe en fait? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Bah, en fait c'est vachement drôle. Non mais c'est pas ça au niveau de l'ordre d'or. Ce qui est drôle c'est qu'au final, au final de la guerre c'est la Russe qui va prendre et toi qui va rien faire. Qui va rien prendre dans cette guerre. Et le Russe a pris. Et donc le jour où la Russe le Russe a pris. Le Russe a pris et toi t'as rien pris quoi. Si, j'ai pris une province. Ah ouais. J'en ai pris deux, j'en ai pris une. Ouais, non mais d'accord. Tu veux qu'on compare les forces en présence dans la guerre? T'aurais été malin, tu nous aurais peut-être demandé pourquoi on t'a déclaré la guerre. Parce que Dider bloque la horde depuis le départ, là. C'est plutôt parce qu'on voulait se faire l'Ottoman. Un, tu refusais de discuter avec moi, et deux, c'était pour faire la guerre à l'Ottoman. Si vous mettiez prêt, hein, c'est bien, prêt. Franchement, je suis d'accord avec lui. C'est utile de vouloir déclarer la guerre à l'Ottoman et déclarer la guerre sur la horde. C'est vrai que. Bizarre, parce que nous, c'est spécial. Non, mais bah, normal, t'étais allié avec lui et on. T'es allié. Et on n'a pas de moyen de déclarer la guerre aux Ottomans. On n'avait pas du coup, c'est moi qui ai défendu la Horde et pas l'Ottoman. Donc vous avez eu un problème quelque part dans votre diplôme, je suis désolé. C'est un putain de traître, mais tu vas voir, ça se retournera contre toi. Quoi. C'est qui le traître? C'est qui? Bah la Moscovie. La Mignard. Tu dis de GPO. 3 deals, 3 trahisons. De GPO, Mignard. Il n'est pas capable de respecter le moindre accord. Tu fais un accord avec lui, il veut renégocier. Tu dis non, on renégocie pas. Du coup, il va brailler. Oh putain, c'est un traître. Bon bah, quoi mondial entre la Bourgogne et la Moscovie. C'est ça. Oui, tu dis ça pour déconner, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Bah oui. Rejoignez tous une coa contre la Moscovie. La Bourgogne, qui bat la France. Attendez les gars. T'as aucune défense, mec. Depuis 1444, j'ai pas pris un seul territoire. Ouais. La Provence est fait pour jouer, quoi. D'accord. Bah c'est un vassal, c'est pas la même chose. Oui. Moi aussi, le Hanlat, c'est un vassal. Si t'as pris Vaud et Wallis. Ah non, ils se sont libérés tout seuls. Ouais, c'est ça, ils sont libérés tout seuls. Ouais, c'est quand même, quoi. Et toute la Hollande et. Non, enfin, tout. Tu peux trouver l'escrevique là, là on se trouve grosse, comme ça. Friedland. Bam, bam, derrière il bat la France tout seul, genre. Ok, quoi. Il vit quoi. C'est parce que j'avais un bon général, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. En tout. C'est ça. En tout cas, je vais dire tourner, il aime bien la guerre. C'est la Moscovie, les gars. Kyriciel, mets-toi prêt, on va bientôt y aller. J'ai bien quand même assuré quand même que la Bourgogne est en train d'envahir la moitié de la France, quoi. Bah c'est parce qu'il veut pas chuter le territoire. Il a bien un qui doit se faire. Les gars, on est en 1609 en 2014. Le joueur de la France, il aime bien la guerre alors. Ouais, le joueur de la France veut pas se rendre. Il est content, il s'amuse. Ah, Cornet, il fait la guerre jusqu'au bout. Hein. Non, mais il a raison. Non, pas jusqu'au bout, ça dépend quoi. Non, il le fait jusqu'au bout. Non, il le fait pas jusqu'au bout. Il est fait jusqu'au point où c'est plus rentable. Tu lui mets une branlée, il est capable de te redéclarer la guerre en rompant la trêve, il s'en fout de la stab,
pour venir refaire un peu la guerre. Ah, moi je le fais ça. Il me l'a déjà fait. Après, deux fois. Volek. Quand ça me pète, c'est Volek, de briser la trêve, je le fais, ouais. On se prépare. J'étais pour le bon moment en fait. Je vais lancer. J'ai été kické de la game. Attends, il y a un magasin qui est plus là. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout. Gaza, il est mort. J'avoue. C'est pas grave. Ouais, t'es sûr? Vas-y, l'on va. Sinon, on va plus jouer. Attendez, je suis sur Windows. Il est là, magasin, les gars. Ah. Je sais pas pourquoi vous avez pas trouvé le magasin là, j'ai pas compris là. Alright. Je me suis trompé de pays, j'ai cliqué sur le mauvais. Il est gars, en plus, si t'es en garde, sinon ils vont prendre la paix. De toute façon, c'est tant pis pour toi, t'as qu'à faire attention. Tant pis, il reste un quart d'heure. C'est qui s'est planté? Glacial. Ouais, mais restif, tu peux pas. On a dit qu'on finissait à minuit le vendredi, c'est le samedi ou ça dure après minuit? Non, c'est minuit et demi. Je me suis inscrit juste parce qu'il y avait écrit minuit, moi. C'est marqué minuit. Ah, restif, t'es là? Oui, je suis là. Juste, tu peux pas demander à des mecs de venir remplacer et après les jeter parce qu'ils sont dans la GPO et parce que. Mais il est là. Magasin? Non. Je le vois dans la liste. Il a dit qu'il avait planté, il a relancé le jeu, on l'a vu relancer. Il a relancé le jeu de suite, tu vois. Et... Bon, non, bah, si... on réagit. Si tout le monde parle. Non, rien du tout. Si tout le monde parlait pas en même temps, peut-être que je pourrais entendre quand quelqu'un dit qu'il a craché et qu'il a relancé le jeu. Ouais, sérieux. Non, bah on va. Tu kicks magasin et puis on va continuer sans lui. Désolé, magasin, c'est pas contre toi, mais j'ai pas fait gaffe et on a déjà perdu assez de temps comme ça. Voilà. Je préfère. Ouais, c'est bon, à plus. C'est reparti. Bonne soirée. C'est qui la politique qui a contrôlé le pays déjà? Pas la paix. Ah là là. Tant de pression dans ces GPO, c'est insoutenable. Bon, je suis toujours sur Popov, l'homme maudit. Pourquoi ça me fait ça? Popov, l'homme maudit. Pose by Popov. Pas de soucis. Ah oui, je peux même plus cliquer. Si, je peux. Ah, c'est bon. Donc, apparemment, la Lituanie, dirigée par Dieter Lord, ce n'est pas du tout volontaire, tous ces rebelles. Ah, donc, ils ont vraiment libéré Smolensk. Apparemment, la Moscovie est un traître. Ok, c'est bon à savoir. Donc, en effet, ils avaient attaqué Moscovie, Golden Horde, pour ensuite attaquer les Ottomans. Ok. C'est aussi bon à savoir ça. C'est vrai qu'ils n'avaient aucune possibilité de les attaquer. Quoique la Moldavie a pas mal de revendications sur. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Retournons voir notre ami la Hanse. Apparemment, Cornet, qui est l'anglais, si je ne dis point de bêtises. Recommence pas, s'il te plaît. Ok. Ça marche, mais ça marche pas des fois. Genre si je clique sur la France. Ok, ça marche. Cornet, qui est l'homme qui adore se battre. Et il y a peut-être moyen qu'il gagne certaines batailles. Hein. Ouais, c'est complètement prévu. C'est complètement prévu. Regardons une bataille. Pour le moment, la Bourgogne n'a aucun leader, mais la Bourgogne a un avantage de morale qui fait vraiment la différence. En termes de tactique militaire, ils sont égaux, mais bon, voilà, c'est mort. Provence a rejoint, la Bourgogne a rajouté tous ses hommes, et voilà. Oh, la France qui a rejoint, bon, ils souffrent d'une pénalité de crossing.